الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Donnons d'Allah du miséricordieux, du très miséricordieux. Inch'Allah, Seigneur de l'univers, que la paix et le salut soient sur le sol de cette prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivront sur le droit chemin jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs dans la foi, comme vous le savez, nous allons nous entretenir au cours de cette conférence sur un thème important, Al-Zawaj wa haqiqatuhu fi l'Islam, le mariage, et dans son essence du point de vue islamique. Et quand on parle du mariage, on comprend immédiatement que nous sommes tous concernés, parce que nous sommes soit un enfant qui s'apprête à se marier, soit un jeune marié, ou un parent qui s'apprête à donner des enfants en mariage. Ça veut dire qu'en réalité, comme nous l'avons dit, c'est un thème qui nous concerne tous et qui est d'une importance capitale. Et pour développer ce thème, nous allons partir d'un ensemble de textes de la révélation. Et ensuite, nous allons essayer de commenter ces textes. Et à partir de ce commentaire, nous allons tirer des conclusions. Il ne faut aucun doute que si Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, c'est pour un but précis qu'il a tenu à définir lui-même. قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Voilà ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adoration, il a parfait notre création et a créé en nous des récepteurs hormonaux qui s'activent à un certain âge. Et lorsque ces récepteurs hormonaux sont activés, on se doit de répondre aux demandes de ces récepteurs. Et c'est pour ça que à un certain âge, l'on ressent le besoin d'être en couple, de s'accoupler avec l'autre genre. Et c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé en nous ces choses-là. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé ainsi, c'est parce qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala maîtrise sa création mieux que qui que ce soit, et c'est qu'en réalité on ne peut vivre pour ce pourquoi il nous a créé qu'en passant par ces choses-là. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tenu à organiser ces choses-là. Et se comporter comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit dans ces choses et relève de l'adoration.
Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran de nous marier. Il a légiféré le mariage. Parce qu'en réalité, on a besoin du mariage. قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes, s'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par sa grâce. Car la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense et il est omniscient. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a clairement légiféré le mariage. Alors qu'en réalité, il ne nous a créé que pour l'adorer. Ça veut dire que on ne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit quand on est en âge de se marier que lorsqu'on est marié. Et c'est pour ça qu'en réalité, une personne qui est en âge de se marier et qui ne le fait pas d'une manière ou d'une autre aura du manquement dans sa religion et aura du mal à préserver sa religion comme il se doit. C'est pour ça que dans un autre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: Ya ma'ashara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه البخاري ومسلم. D'après Ibn Mas'ud رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: Oh vous les jeunes, celui d'entre vous qui en a la capacité qu'il se marie, car ceci va lui faire baisser le regard et est plus chaste pour le sexe. Et celui qui n'en a pas la capacité, alors qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. Ça veut dire qu'en réalité, on ne se doit de faire recours qu'à cette protection que lorsqu'on n'a pas la possibilité de se marier. Parce que se marier, c'est l'idéal. Et parce que lorsqu'on se marie, on est plus proche de la piété. Et il est plus facile dans cette situation d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a facilité les choses aux croyants. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, hadith de Amir radiallahu anhu, dit: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره وفي رواية خير الصداق أيسره. Dans ce récit, le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم dit: le meilleur mariage, c'est le plus facile. Et dans une autre version, il dit: la meilleure dot, c'est la plus légère. Pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a facilité les choses et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a incité à la facilitation dans le mariage. Parce qu'en réalité, comme nous l'avons dit, celui qui est en âge de se marier, fille ou garçon, ne peut réellement adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit que s'il est marié. Voilà pourquoi, dans un autre récit authentique, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي. D'après Anas, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le serviteur se marie, il a certes complété la moitié de sa religion, alors qu'il craint Allah pour l'autre moitié. Rapporté par Tabarani et authentifié par Al-Albani, rahimahullah. Ça veut dire, chers frères et sœurs en islam, que la question du mariage est une question très très importante.
كان الكوفي محمد صلى الله عليه وسلم أكل شيل ما رياش كم إتا لما تيجي إلى ريليجيون صفيتي كان يعني le mariage fait partie de la religion et fait partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée est adoration. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. L'adoration, c'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée parmi les actes et les paroles apparentes et cachées. Donc ça veut dire que le mariage en soi-même, c'est l'adoration. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en plus du fait que le mariage et adoration, le prophète l'a qualifié comme étant la moitié de la religion. Si on a bien compris ce test, chers frères et sœurs en islam, ça veut dire qu'en réalité, celui qui ne comprend pas ce que le mariage, alors qu'il est marié, il se peut qu'il perde la moitié de sa religion. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الزواج بنصف الدين. Parce que le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم a qualifié le mariage comme la moitié de la religion. Donc ça veut dire que celui qui se marie, qui s'intéresse au mariage, sans connaître ce que c'est que le mariage, sans comprendre ce que c'est que le mariage, il se peut qu'il perde la moitié de sa religion. Ça veut dire que c'est lui qui ne se conduit pas dans le mariage comme il se doit, qui ne se marie pas pour ce pourquoi l'on devrait se marier, qui ne suit pas la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le mariage, il se peut qu'il ait des problèmes dans la moitié de sa religion. Et il ne fait aucun doute qu'une personne qui a des problèmes dans la moitié de sa religion peut se retrouver en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors, si cette place est la place du mariage dans la religion de l'islam, nous devons donc de chercher à comprendre ce pourquoi le mariage a cette place et ce pourquoi l'on devrait se marier. Pour répondre à cette question, nous devons convoquer un ensemble des textes de la révélation. قال الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Dans la tradition rapprochée, il est dit, le divorce est permis pour seulement deux fois. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a légiféré le mariage, a également légiféré le divorce. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le mariage, c'est pour un but précis. Et ce but, nous l'aurons dans ces versets. Allah dit, le divorce est permis pour seulement deux fois. Et nous savons tous ce que c'est que le divorce. C'est la séparation entre deux mariés. Donc, c'est le fait de mettre fin au mariage. Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, ce soit la reprise conformément à la bienséance. Ce soit la reprise conformément à la bienséance. Et parmi les leçons que nous pouvons tirer de cette partie du verset, c'est que, comme l'imam le disait, on n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala comme on entend.
Mais on adore Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, alors ce soit la reprise conformément à la bienséance, c'est-à-dire une personne qui décide de répudier sa femme, de divorcer sa femme, lorsque sa femme est en période de idda, il lui est permis de reprendre sa femme. Mais pas comme il l'entend lui, mais comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit, ce soit la reprise conformément à la bienséance. Ça doit être une reprise bâtie sur la bienséance ou la libération avec gentillesse quand il est établi que les deux personnes qui se sont mariées sur les bases ou alors sur la base de la religion islamique, quand il est établi qu'ils doivent se séparer, alors ils doivent se séparer sur la base de la gentillesse. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ou la libération avec gentillesse. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné. Lorsque l'homme décide de répudier sa femme, de divorcer sa femme, il ne lui est pas permis de récupérer quoi que ce soit de ce qu'il avait donné à la femme. À moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Voilà c'est pourquoi deux personnes qui se sont mariées se doivent de se séparer s'ils sont réellement croyants. Ils ne doivent se séparer que lorsqu'ils craignent de ne plus se conformer aux ordres imposés par Allah subhanahu wa ta'ala dans le mariage. C'est pour ça que lorsqu'il existe cette crainte, lorsqu'on a peur, lorsqu'on pense qu'on ne peut plus se conformer aux ordres imposés par Allah dans le mariage, alors en ce moment, il est permis qu'on se sépare. Ça veut dire qu'en réalité, c'est ça la base du mariage et c'est ce pourquoi on devrait se marier. On devrait se marier pour se conformer aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la suite, il est dit ici donc, vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah. Alors, ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelques biens. Ça c'est quand la femme demande ce qu'on appelle la khula. Quand l'homme n'est pas prêt à libérer la femme et que la femme ne veut plus de cet homme. Mais la raison est également citée dans le verset. C'est quand la femme craint de ne plus respecter les ordres imposés par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand elle a peur de ne plus se conduire dans son mariage comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit, à ce moment il est permis que la femme se rachète par quelques biens. Et il est permis que l'homme accepte ce rachètement. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelques biens. Voilà les ordres d'Allah. Ne les transgressez donc pas. Aucun croyant n'a le droit d'aller au-delà de ces limites imposées par Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun croyant n'a le droit de répudier la femme sur la base de ses passions. Voilà la base établie par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est que lorsqu'on craint de ne plus se conformer aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on pense qu'on ne pourra se conformer aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, que lorsqu'on se sera séparé de cette personne, alors en ce moment, il est permis, du point de vue islamique, que l'on se sépare de sa compagne. Et dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, s'il divorce avec elle la troisième fois, parce qu'au début, Allah subhanahu wa ta'ala dit, At-talaq marratan, le divorce est permis pour seulement deux fois. C'est-à-dire, ce qu'on appelle At-talaq ar-raj'i, le divorce qui admet la reprise. Le divorce qui admet la reprise n'est permis que pour deux fois. Il n'est permis à l'homme de divorcer sa femme que deux fois. Et ici, comme nous l'avons dit, c'est le divorce qui admet la reprise. C'est-à-dire que si l'homme divorce sa femme pour la première fois, il lui est permis de reprendre cette femme
lorsqu'elle n'a pas encore fini la idda. Il lui a permis de reprendre cette pampa le biais d'un nouveau mariage si elle a fini sa idda. Voilà les deux reprises. Quand une personne dit à sa femme, à compter d'aujourd'hui, tu n'es plus ma femme. Même si c'est dans la colère, ce n'est plus sa femme. Même si c'est dans l'amusement, ce n'est plus sa femme. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai duré une magie, wa harbou une magie. Le mariage fait partie des choses dans laquelle lorsque l'on se prononce, quand il est sérieux, c'est ça, et quand il n'est pas sérieux, c'est ce qu'il a dit, qui est considéré. Quand une personne dit à sa femme, tu n'es plus ma femme, je te divorce, ce n'est plus sa femme. Et la femme doit commencer la idda, qui est d'une durée de 3 mois. Si pendant cette durée, l'homme change d'avis, il peut reprendre sa femme sans faire un nouveau mariage. Mais si cette période est expirée, ce n'est plus sa femme jusqu'à ce qu'il commence à zéro. Et qu'il recommence, jusqu'à ce qu'il recommence le mariage à zéro, qu'il aille chez les parents, demande la main aux parents et qu'on accepte et attache le mariage. Ça c'est pour ce qui est de la première fois. Si après avoir épris sa femme, il la divorce une deuxième femme, il peut la reprendre de la même manière. Mais lorsqu'il se prononce le divorce pour la troisième fois, ça devient extrêmement compliqué. Et s'il ne se soumet pas aux injonctions divines, il devient un fornicateur. Il devient un fornicateur. Et combien y a-t-il de fornicateurs dehors? Combien parmi les croyants ont divorcé deux femmes au-delà de 3 fois et continuent à vivre avec ces femmes? قال الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. S'il divorce avec elle la troisième fois, alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. À partir du moment où l'on prononce le troisième divorce, cette femme lui devient illicite jusqu'à ce qu'elle finisse sa idda et épouse un autre homme. Et que le mariage ne marche pas entre les deux. Taï, si le mariage ne marche pas entre les deux, quand est-ce qu'il est permis au premier mari de réépouser son ancien épouse? Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si ce dernier la répudie, c'est-à-dire le deuxième mari, alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d'Allah. Pourvu qu'ils pensent tous deux se conformer aux ordres d'Allah. Ça veut dire qu'en réalité, islamiquement, on se marie pour se conformer aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi on doit se marier. L'intention qu'on doit avoir lorsqu'on se marie, c'est l'intention de se conformer aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en réalité, nous n'appartenons pas à nous-mêmes. Nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a des signes en nous qui attestent de cette réalité. C'est pour ça qu'on n'est pas toujours malade quand on veut. Si on appartenait à soi-même, on allait être maître de soi-même. Mais est-ce qu'on est maître de soi-même? C'est parce qu'on est en réalité, on est un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le serviteur se doit d'être soumis à son maître. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a organisé les rapports entre ces créatures et les liens qui devraient exister entre ces créatures-là. Et il a voulu que l'homme
ne se satisfait que dans le mariage. Et que la femme ne se satisfait que dans le mariage. C'est le premier ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on se doit d'observer lorsqu'on s'engage dans le mariage. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge des croyants en disant qu'il aflah al mu'minun. Certes, sont heureux les croyants. Et parmi les caractéristiques de ces croyants heureux, il a dit walladina hum li furujihim hafidhun. Ce sont ceux qui préservent leur sexe, illa ala azwajihim, sauf envers leur femme. Ça veut dire que parmi les objectifs du mariage, ce pourquoi on se doit de se marier, c'est préserver son sexe et ensuite observer tous les ordres de la subhanahu wa ta'ala dans le mariage. Donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si ces derniers la répudient, alors les dieux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d'Allah. Ma hiya mafhumu mukhalifa. Qu'est-ce qu'on comprend de ces versets si on inverse le sens? Ça veut dire que s'ils pensent ne pas être à mesure d'observer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas légiféré qu'ils se mettent ensemble. Donc islamiquement, il n'est pas légiféré que deux personnes se mettent ensemble quand ils ne sont pas sûrs de s'enjoindre mutuellement dans la piété, de se conformer aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà les ordres d'Allah qu'il expose aux gens qui comprennent. Voilà les ordres d'Allah qu'il expose aux gens qui comprennent. Qui comprennent. Et les musulmans devraient être ceux-là qui comprennent. Ça veut dire que celui qui ne s'est pas marié sur cette base n'a pas compris. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a clairement exposé à travers ces versets à ceux qui comprennent les bases du mariage. Les bases sur lesquelles le mariage se doit d'être établi. Et c'est pour ça que même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, Ya ayyuhan nabiyu qul li azwajika إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Dans la rapprochée, il dit, ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez, je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerez par un divorce sans préjudice. Le divorce est légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala sur le divorce sans préjudice. At-talaqu maratan fa imsakun bima'rufin wa tasriqun bi'ihsan. Quand on médite sur les textes de la révélation, on se rend compte du problème que nous avons dans notre communauté. Qui sont ceux qui se sont toujours séparés tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit? Ya akhi, quand vous vous êtes unis, ce n'était pas la guerre. Pourquoi quand vous vous séparez, ça doit être la guerre? Ya akhi, quand vous vous êtes unis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous êtes unis parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a recommandé. Si vous voulez vous séparer parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite le divorce, pourquoi est-ce que ça doit se faire comme si c'était la guerre? Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez, je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerai par un divorce sans préjudice. Ça veut dire qu'en réalité, ceux qui se marient pour ce bon monde n'ont pas compris le but du mariage, et qu'en réalité ce mariage du point de vue islamique se doit d'être corrigé ou alors d'être un
interrompus. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement, le prophète dit à tes femmes, si vous êtes là pour le bas monde, si c'est les paroles de ce bas monde qui vous intéressent, alors venez. Je vous donnerai les moyens d'en jouir. Et je vous libérerai par un divorce sans préjudice. Donc quand on se rend compte que la femme n'est pas là pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle ne s'intéresse pas à la chose de l'islam, du point de vue islamique, il est permis qu'on se sépare de cette femme, mais par un divorce sans préjudice. Mais si c'est Allah que vous voulez et son messager, ainsi que la demeure dernière, voilà c'est pourquoi on devrait se marier. Parce que tout cela rentre dans l'observation des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si c'est Allah que vous voulez et son messager, ainsi que la demeure dernière, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. Ça veut dire que celle qui se marie sur cette base, avec l'intention de se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, recherche à travers le mariage l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette dernière aura une énorme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à partir de ces versets, on déduit clairement que ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le mariage, c'est pour que l'on puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, « وَمِنْ أَيَاتِهِ أَبْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ » Allah dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Parce qu'en réalité, on ne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit que lorsqu'on est en tranquillité. Allah subhanahu wa ta'ala a créé autour de nous un environnement favorable à la concrétisation du but de la création. C'est pour vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout ce qui existe. C'est pour créer un environnement favorable à la concrétisation du but de la création. Il a créé toutes ces choses-là pour nous. Mais il nous a créé pour un but. Dans ce verset, Allah dit, et parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elle. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté et de la miséricorde. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Voilà ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé les épouses. Et voilà ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé les époux. C'est pour que ces deux gens puissent vivre en tranquillité, afin qu'ils puissent adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Donc, voilà ce que c'est que la base du mariage. C'est pourquoi on devrait se marier. C'est pour ça que quand on médite sur les problèmes que nous avons aujourd'hui dans nos foyers, on se rend compte qu'en réalité, ces problèmes proviennent de notre manque de connaissances, de sciences. Parce que beaucoup de ceux qui se sont mariés ne savent pas pourquoi ils se sont mariés, ou alors se sont mariés pour un but autre que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu qu'on se marie. À la base, comme je l'ai toujours rappelé, le musulman qui suit les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour son entourage. Ça veut dire que l'époux qui suit la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour sa femme. Et sa femme est une miséricorde
Aujourd'hui, et dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre vous de l'affection et la miséricorde. Ya ikhwa, al-hayatu zoujiya, la yumkin an tastaqima, illa bihadin al-amri. La vie conjugale ne peut être correcte, ne peut être comme il se doit, que si elle est bâtie sur ces deux piliers, l'amour et la miséricorde. Or, en réalité, on ne peut obtenir ces deux choses que lorsqu'on se soumet aux injonctions de Dieu. Parce que la branche la plus solide de la foi, c'est aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول خطوة على الإيمان الحب في الله والبغض في الله. La branche la plus solide de la foi, c'est l'amour pour Allah. Le fait d'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Or, pour aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que celui qu'on aime pour Allah subhanahu wa ta'ala se soit mis dans la posture de ceux qu'on aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qu'on aime pour Allah subhanahu wa ta'ala parmi les femmes, c'est celle de qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a orienté les jeunes de sa communauté, les hommes de sa communauté. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها ثم أوصى عليا رضي الله عنه بذات الدين فقال فاظفر بذات الدين ضربت يداه. Dans ce hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: on épouse la femme pour quatre raisons. Ici, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parle de la réalité du terrain. Non, la réalité du terrain. Et subhanallah, parmi les leçons que nous pouvons tirer de ce hadith, c'est que la réalité du terrain ne veut pas dire la sentence juridique. Et que la réalité du terrain peut être différente de la juridiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parle de la réalité, de ce pourquoi les gens se marient. Il ne parle pas de ce pourquoi Allah a légiféré le mariage, mais il parle de ce pourquoi les gens se marient. Parce que ce n'est pas tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé qui se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala, aux injonctions divines. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans son enseignement, tient compte du terrain, des réalités du terrain. Pour ceux qui pensent que les sentences juridiques sont loin de la réalité du terrain, les sentences juridiques sont venues organiser la réalité du terrain et les mettre en accord avec les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit on épouse la femme pour quatre raisons. Pour ses biens, pour son statut et pour sa beauté et pour sa religion. Voilà les quatre raisons. Ensuite, le prophète a dit à Ali, ici il a donné sa position. Celle vers qui il incite. Il a dit et méditer sur le thème utilisé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Dhafar, c'est la victoire. Al-Dhafar, c'est la victoire. Dit Fadfar, gagne Bidati Din en choisissant celle qui est religieuse. Gagne en choisissant celle qui est religieuse. Qui est religieuse. Et la victoire ici, c'est la victoire ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. C'est pour ça que ceux qui ont dit que derrière un grand homme se cache une grande femme n'ont pas tort.
Mais c'est demande qu'est-ce qu'ils appellent un grand homme. Et qu'est-ce qu'ils appellent une grande femme. Une grande femme, c'est celle avec qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a orienté dans ce hadith. Et un grand homme, nous allons suivre dans un autre hadith. Il a dit, pas vous faire bidat et dit, terrible, gagne en choisissant celle qui est religieuse. Taribaniada, que ta main touche et que la poussière touche ta main. Les savants ont divergé sur l'explication de ces termes. Et parmi les plus belles explications, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit pas faire de taribaniada, que la poussière touche ta main, c'est parce qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala a béni la terre. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a béni la terre. Et c'est comme si Allah, c'est comme si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gagne en épousant celle qui est religieuse et tu connaîtras la bénédiction. Tu toucheras la bénédiction de ta main. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a béni la terre. Et regardez tout ce que la terre produit, tout ce que la terre donne. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a béni la terre. Donc certains savants ont dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à travers cette expression, a voulu qu'Ali comprenne qu'en épousant une femme religieuse, que sa communauté comprenne qu'en s'orientant vers les femmes religieuses, ils vont connaître la bénédiction dans cette orientation. Donc, si la branche est la plus solide de la foi, c'est aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si celui qu'on aime pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui s'est mis dans la posture de ceux qu'on doit aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait aucun doute comment se doit aimer ce genre de femme. Que naturellement, le croyant aimera ce genre de femme. Or, quand une personne est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala, il devient une miséricorde. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle des croyants, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à l'humanité comme étant une miséricorde. Nous t'avons envoyé en tant que miséricorde pour l'humanité tout entière. Ça veut dire que celui qui suit les pas du prophète comme il se doit devient une miséricorde. Et la femme vers qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a orienté dans ce hadith, c'est celle qui suit les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car on ne peut qualifier une personne d'irreligieuse que si cette dernière suit les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la religion agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parachevée à travers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est celle que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a suivi, a enseigné. Et c'est cette religion qui fait de son suiveur une miséricorde. Donc, à travers le suivisme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'attachement à la religion, on obtient les deux piliers sur lesquels le mariage, la vie conjugale doit être bâtie, qui est l'amour et la miséricorde. Al-sharh wal-ibana ala usul as-sunnah wad-diyanah.